Bonjour à tous et bienvenue sur TipTop. Si vous cherchez un casque gaming pour votre PS5 ou votre PC, alors vous êtes au bon endroit. Après plusieurs tests de mon côté, eh bien je vais vous proposer mon top 3 des meilleurs casques gaming selon votre budget. Donc comme d'habitude sur TipTop, eh bien je vais vous présenter les 3 meilleurs par ordre de prix. Donc on commencera par le moins cher, puis celui avec le meilleur rapport qualité-prix, et enfin le meilleur premium. Donc commençons par le moins cher, à savoir le casque PS5 Ultralight FogBeo. Donc vous disposez avec ce casque d'un son stéréo de bonne qualité, et pour vous dire, on entend clairement les positions de tir à proximité. Donc franchement, c'est pratique à ce niveau-là. Le microphone externe filaire eh bien, peut être ajusté à n'importe quel angle, et il est doté en plus d'une technologie anti-bruit intégrée. Donc ça, c'est pratique. Vous avez également une touche de coupure du son qui est facile d'accès sur le casque. Et vous avez des lumières RVB qui changent de couleur et d'effet lumineux, ce qui est toujours sympa quand vous êtes en game. Les coussinets d'oreilles sont doux, et en fait ils sont en cuir synthétique. Tandis que le bandeau de suspension, lui, vous garantit beaucoup plus de confort et surtout une certaine stabilité sur votre tête. Donc au final, vous avez un casque qui est très léger à porter, mais qui est aussi confortable. Attention, vous devez le brancher via une prise de jack de 3.5 qui est compatible avec PC, PS4, PS5, Xbox One, et vous avez également une prise USB à brancher qui sert, elle, par contre, à alimenter les lumières. Donc la prise jack, c'est pour le son, et la prise USB, c'est pour les lumières. Donc c'est clairement le moins cher de cette sélection avec un prix d'environ 30 €. Évidemment, c'est pas de la qualité aussi bien que les gros casques qui sont beaucoup plus chers, mais franchement, si vous avez un petit budget, faut pas hésiter, c'est un très bon casque à ce niveau-là. Dans l'ensemble, il est bien noté, avec une moyenne de 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 830 évaluations différentes. Donc s'il vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description. Passons maintenant au casque avec le meilleur rapport qualité-prix, à savoir le Logitech G435. Donc vous avez là un casque sans fil et une connexion Bluetooth à faible latence. Donc il est compatible avec PC, smartphone, Nintendo Switch, console de jeu PlayStation. Donc franchement, c'est relativement large. Et il est très léger avec ses 165 grammes, ce qui est franchement confortable quand vous devez le jouer durant pas mal d'heures et que vous devez le porter. La qualité du micro, elle est franchement bonne grâce à son double faisceau. Et en plus, ça réduit le bruit de fond et ça évite du coup d'avoir un bras qui dépasse du casque. Donc c'est juste, là c'est plus côté esthétique, mais franchement c'est super sympa. La batterie de ce casque dure environ 18 heures, ce qui est largement suffisant pour jouer toute la journée. Et ça se recharge assez rapidement. Pour moi en tout cas, c'est le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection, que ce soit au niveau de la qualité du son, de la qualité du micro, ou tout simplement du fait qu'il soit sans fil, donc plus pratique. Dans l'ensemble, il est bien noté, avec une moyenne de 4,4 sur 5, sur plus de 1200 commentaires différents. Donc s'il vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description. Et enfin, pour terminer, on va passer au meilleur premium, à savoir le casque SteelSeries Arctis 7+. Donc c'est un casque qui est compatible avec PC, PS5, PS4, Mac, Android et Switch. Et c'est également un casque sans fil dont la batterie dure 30 heures, ce qui est franchement énorme en termes de durée. Le microphone Clearcast est rétractable, en plus d'offrir une suppression du bruit et une très bonne clarté. Donc au niveau du microphone, c'est difficile de faire mieux pour un casque de ce prix-là. Le bandeau en acier léger est combiné à une bande élastique pour un ajustement qui est réglable et surtout beaucoup plus de confort. Donc franchement, au niveau des oreilles, ça vous appuie pas, même si vous avez des lunettes, donc franchement, c'est super cool. Vous pourrez régler directement le volume du jeu au niveau du casque, indépendamment du son des voix. Donc par exemple, si vous jouez en audio avec sur Skype ou sur Discord, vous pouvez régler les volumes indépendamment les uns des autres, directement depuis le casque. Donc franchement, c'est pratique. Et ça évite de retourner sur le bureau pour faire la modification et du coup d'être embêté quand vous êtes en pleine game. Le son est franchement super. C'est une gamme au-dessus des autres avec un son en 7.1. Franchement, c'est un gros avantage, notamment pour les jeux de tir à la première personne comme Counter-Strike ou Call of, parce que vous allez vraiment entendre parfaitement les bruits de pas et surtout, vous aurez l'impression de savoir à peu près dans quelle direction ils sont.
Donc c'est un avantage énorme par rapport aux autres. Donc pour moi, c'est clairement le meilleur premium de cette sélection et il est très bien noté avec une moyenne de 4,6 sur 5 sur plus de 393 avis clients différents. Donc si l'un de ces trois casques gaming vous intéresse, eh bien j'ai préparé pour vous des liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur chacun d'entre eux ou directement pour commander l'un de ces casques chez vous et le recevoir dès demain matin. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait gagner du temps dans votre recherche, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bonnes affaires du web et mettre un petit commentaire, ça aide la chaîne TipTop à se faire connaître et ça ne vous coûte rien. Merci du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne fin de soirée. À la prochaine sur TipTop. Ciao.